Bonsoir et bienvenue sur TV7. Alors, soleil, température estivale et surtout de quoi se rafraîchir en terrasse. L'acte 2 du déconfinement commence ce mardi avec donc l'ouverture des cafés et des restaurants. Un bol d'air pour tout le monde, les cafetiers, les restaurateurs, mais aussi bien sûr les clients. C'est donc la vie normale qui reprend peu à peu son cours. Eh bien, TV7 a décidé de fêter ça avec vous. Et dans un instant, vous le voyez sur ces images, nous serons nous aussi en terrasse avec Sandrine Mancipose qui nous attend du côté du Café Français Place Péperlan avec de nombreux invités. Nous parlerons également économie pour Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, que nous entendrons. Cette réouverture, bien sûr, est pleine de symboles, mais il faut vraiment rester prudent et attendre au moins le mois d'octobre pour connaître réellement les conséquences économique de cette période de confinement. Et puis nous parlerons aussi bien sûr politique, c'était l'info du week-end avec la fusion des listes Cazenave et Florian pour le second tour des élections municipales à Bordeaux. Pour Jean Petaut de Sciences Po Bordeaux, c'est une conséquence directe du Covid-19, vous l'entendrez tout à l'heure, et un coup dur aussi pour le candidat écologiste Pierre Urmic qui était arrivé en deuxième position au soir du premier tour. Mais avant de parler politique et de la mairie de Bordeaux, justement, nous nous dirigeons tout de suite à quelques dizaines de mètres de la mairie de Bordeaux pour retrouver Sandrine Mancipose du côté du Café Français pour enfin fêter la réouverture des terrasses du côté de la place Péperlan. Sandrine Mancipose, c'est à vous. Et oui, Bastien, et il y a du monde, hein, vous le voyez derrière moi. Les terrasses ne sont pas encore pleines malgré le beau temps. Mais cette réouverture des terrasses, c'est la bonne nouvelle du jour. Des terrasses dont la superficie est étendue durant cette période. Maribel Bernard, vous êtes adjointe à la mairie de Bordeaux, chargée des commerces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça a été possible aujourd'hui? Absolument. D'abord, c'est une grande joie aujourd'hui de voir, comme vous le dites, ces terrasses qui sont ouvertes au soleil. On retrouve notre ville, on retrouve une animation, ça permet aussi aux habitants, aux commerçants, aux entreprises locales de travailler, à nos amis restaurateurs à nouveau économiquement de pouvoir travailler, donc c'est très très important. On a, durant toute la période du confinement, on a continué en permanence à travailler avec l'UMI pour préparer maintenant ce retour aujourd'hui, toutes les aides qu'on a pu mettre en place avec le fonds d'urgence de la métropole et les terrasses. Les terrasses, le principe de départ était de dire qu'on allait aider les terrasses actuelles à grandir de façon à retrouver le même nombre de clients qu'ils avaient sur leur terrasse. Donc bien entendu, un certain nombre de contraintes sont là aussi. Il y a le passage des pompiers, il y a la sécurité, il y a aussi les trottoirs. Mais notre idée, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui travailler avec l'UMI de façon à ce que les commerces puissent étendre leurs terrasses et trouver une activité économique supplémentaire pour les aider dans cette difficulté. Bien entendu, il était très important d'associer les riverains et nous avons... Les riverains ne sont pas oubliés. Les riverains ne sont pas oubliés. L'UMI n'avait pas du tout l'intention d'oublier les riverains, mais M. Chomès vous le dira après, bien entendu. Nous avons un comité de suivi qui va se réunir tous les lundis, qui va nous permettre de traiter au cas par cas, parce que autant ici, sur la place Péperlan, c'est facile d'étendre une terrasse, autant il y a des quartiers où ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, il faudra travailler avec les riverains, travailler avec les restaurateurs, travailler avec l'UMI et réfléchir au cas par cas pour un certain nombre de terrasses. Merci beaucoup Maribel Bernard. Franck Chomès de l'UMI, concrètement, comment vous allez accompagner les restaurateurs, voir comment ça va se passer avec les riverains? D'abord, comme le dit très bien Maribel Bernard, c'est un grand jour pour nous, qu'on attendait avec impatience. Bien évidemment, alors même si on sait que ça ne va pas revenir comme on l'avait auparavant, c'est déjà un bon retour, on a le soleil avec nous, donc évidemment c'est un grand jour pour nous. On a la chance d'être dans une ville où on a été écouté, parce que c'est une profession qui travaille depuis maintenant des années avec la mairie de Bordeaux. Et on a fait un gros travail avec les adjoints, Maribel, où bien évidemment ils nous ont écoutés. On peut étendre les terrasses pendant une période bien limitée pour retrouver économiquement nos affaires.
Et bien évidemment, on est conscient que cette opportunité, elle ne peut pas aller sans penser aux riverains, parce que c'est aussi nos clients. Et il faut avoir le droit aussi de dormir et de se reposer. Donc on va faire partie de ce commission, on va rencontrer ces gens-là et on va surtout sensibiliser la profession pour être correct vis-à-vis du geste qui a été fait par la mairie de Bordeaux. Vous avez parlé économie. Économiquement, c'est compliqué pour les restaurateurs. C'est un grand jour, mais la situation, elle est quand même tendue. Actuellement, qu'est-ce que vous espérez comme aide nouvelle peut-être pour justement aider les restaurateurs? Au niveau local, on n'espère plus rien parce que je crois que tout a été fait et puis c'est plus de leur ressort. Au niveau national, on a bien évidemment un combat qu'on mène toujours, qui n'est pas perdu, qui est la perte d'exploitation. Donc c'est 15% de 6 mois de chiffre d'affaires, qui nous permettrait évidemment de sauver pas mal d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on va être à plus de 40% de dépôt de bilan. Alors ça va se faire en deux temps. La première phase, ça va être maintenant, et la deuxième phase, ça va être au mois de septembre, parce que les PGE, c'est une chose, mais il va falloir les rembourser. Il y a un deuxième axe qui est... l'annulation des charges patronales jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est le deuxième combat. Et le troisième combat, c'est la baisse de la TVA à 5,5, toujours par une période pour relancer l'entreprise. Ce n'est pas une baisse de TVA définitive, c'est une baisse de TVA temporaire jusqu'à pour sauver nos entreprises et relancer l'économie. Voilà, donc qui se fera, que vous espérez ponctuellement justement pour... C'est un combat qu'on mène au niveau national, bien évidemment, qu'on mène avec un groupe, donc Philippe Etchebest, Marc Vanhove, l'UMI 33, la CCI de Bordeaux, qui œuvre pour nous, pour que les pertes d'exploitation soient peut-être du plus petit au plus gros. Et pas que ceux qui ont des assurances avec des contrats. Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens en France ont un contrat avec cette pandémie. C'est un truc irréel qui nous arrive. Aujourd'hui, c'est une crise sans fondement. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints sur la place Péberlan. Bastien, on va se retrouver dans un petit instant pour voir comment ici a été vécu par le restaurateur du Café Français cette première journée de réouverture des restaurants. Sandrine, si vous avez encore Maribel Bernard avec vous, est-ce que vous pouvez lui demander encore une petite chose? Je sais que c'est prévu. J'ai Maribel Bernard. Ah, très bien. Je sais que c'est prévu à Paris. Est-ce qu'on peut imaginer que des rues aussi soient fermées justement pour agrandir certaines terrasses? C'est fait à Paris. Est-ce que des rues pourraient être fermées ici à Bordeaux? Ça sera le cas à Paris. Est-ce qu'à Bordeaux, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé justement pour donner plus d'importance aux terrasses? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt sur du cas par cas. Donc on verra si le cas échéant, il y a des demandes qui sont faites, on les étudiera. Mais encore une fois, c'est très important que les riverains puissent avoir leur mot. Et il y a déjà beaucoup de rues qui sont piétonnes à Bordeaux dans lesquelles il y a beaucoup de terrasses. Donc peut-être qu'on en restera là. Mais encore une fois, ce sera vraiment du cas par cas. Nicolas Florian, le maire, l'avait précisé la semaine dernière. C'était un travail de concertation. Donc on va continuer comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà Bastien, on se retrouve donc dans un petit instant avec Thierry Constantin du Café Français pour qu'il puisse nous expliquer comment est-ce qu'il a vécu cette première journée. Voilà, parce que c'est pas forcément évident, j'imagine, de se retrouver comme ça, devoir servir avec un masque ou aussi bien en terrasse que derrière les comptoirs. Et puis il a fallu organiser tout ça, on en parlera avec lui dans un instant, puisque cette réouverture des terrasses, nous continuerons à la vivre du côté de la place Péberlan. Ce sera le fil rouge de cette émission. Vous avez vu qu'il y a eu une conférence de presse ce matin, précisément au Café Français, en présence notamment de Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Nous l'avons eu également il y a quelques instants par Skype. Il est bien évidemment ravi de la réouverture donc des terrasses et des restaurants pour la phase 2 de ce confinement. Tout un symbole qui fait du bien. Patrick Seguin, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, ouf, respiration, début de commencement de normalité. Le symbole, c'est bien évidemment... l'ouverture des terrasses avec des règles sanitaires, bien évidemment. La Chambre de commerce accompagne les restaurateurs et les cafetiers. De quelle manière? Alors, bien sûr, on les accompagne comme on a accompagné les autres professions et notamment les commerçants récemment. Nous avons réédité l'opération au kit. Nous avons fait des kits spéciaux CHR, café, hôtel, restaurant, que nous avons lancé en distribution dès ce matin pour aider les restaurateurs et les cafés à réouvrir dans de bonnes conditions en respectant les règles sanitaires.
J'ajoute aussi que nous étions en discussion avec le ministère de l'économie jusqu'à vendredi après-midi pour convaincre le ministère que il fallait une règle qui ne dépasse pas les 1 mètre carré par client, alors que nous étions auparavant sur 4 mètres carrés par client, ce qui était pratiquement impossible pour certains et qui aurait obligé certains restaurateurs pour les petites surfaces à ne pas pouvoir rouvrir. Donc, ça a été de haute lutte jusqu'à vendredi après-midi, mais le gouvernement a fait passer le décret d'application de ces consignes pour cette profession vendredi soir, et les cafés et restaurants ont pu ouvrir ce matin dans des conditions, je veux dire, pas optimum, mais les plus favorables possibles. Est-ce que vous en connaissez, vous, justement, des cafés et des restaurants qui ont dit « moi, j'ai trop souffert l'ouverture, je ne peux pas la faire » ou est-ce qu'elle est 95, 99, voire 100% de la profession a dit « oups, bingo, on y va, on ouvre ». Bon, après les échanges que nous avons pu avoir avec l'UMI, la fédération de cette profession, on peut constater ce matin qu'avec les règles qui ont été établies en fin de semaine, on est à une ouverture maximum. Tout le monde a joué le jeu et ce matin, c'était la grande effervescence, en tout cas dans les rues de Bordeaux, pour permettre l'ouverture dans les conditions au maximum. Et j'ai fait un tour entre midi et 14h dans Bordeaux et j'ai vu que les terrasses étaient très remplies et avec un très beau temps. Donc, il faut que ça dure. C'est un symbole fort. On est d'accord, au-delà de l'aspect économique, bien évidemment, de la réouverture de ces terrasses par rapport à ce qu'était la vie d'avant. C'est un symbole fort, on est d'accord. Oui, c'est un grand symbole, c'est la façon de vivre à la française, c'est notre art de vivre dès qu'il fait un peu beau, d'être sur les terrasses, de se retrouver aussi entre amis pour déjeuner. Il y avait des groupes qui s'étaient constitués en respectant les règles. Ce matin, nous avons fait la conférence de presse dans un café près du Palais Rohan et nous étions déjà nous-mêmes envahis de personnes qui venaient prendre le café en profitant de ce moment. Je pense que c'est des moments, après les 2 mois de confinement, je pense que c'est des moments importants pour tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. On le sait, Patrick Seguin, l'économie, ça n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi, bien sûr, une question de morale. Est-ce que, justement, ce symbole peut permettre de relancer un petit peu plus rapidement, fermement, nettement l'économie? Moi, j'y crois, ça participe parce qu'effectivement, il faut que le moral soit, si ce n'est au beau fixe, du moins du côté positif, pour pouvoir travailler dans des conditions compliquées qui sont imposées toujours dans le cadre du Covid-19. Et nous avons vu avec les commerçants qui ont ouvert plus tôt, il y avait du stress au niveau de des ouvertures parce qu'il y avait des contraintes particulières et qui perdurent d'ailleurs, mais ça se passe assez bien. J'ai même vu des commerçants qui m'ont dit qu'ils avaient fait des journées comme des veilles de Noël, donc il y avait aussi une frénésie d'achat. Alors elle va peut-être se calmer, cette frénésie d'achat, mais il y avait du monde partout, des commerçants qui étaient satisfaits. Et donc, on sent bien la même chose. Il y avait presque une ambiance festive ce matin dans les rues de Bordeaux. Les Français ont fait des économies durant cette période de Covid. Des économies, ils étaient contraints et forcés de les faire. Vous leur dites quoi maintenant, vous, consommateurs, dépensez, entre guillemets, l'argent que vous avez économisé pour nous aider, ou vous dites, attendons, mettez-le sur un compte, on ne sait jamais ce qui peut arriver? Je crois que les comptes actuellement ne rapportent pas grand-chose. On a vu que le livret A n'avait jamais autant été sollicité. Donc, je crois que la bonne formule, en bon père de famille, si je puis dire, c'est d'en mettre une partie de côté au cas où et puis profiter de l'environnement, profiter de la vie et profiter du contact avec ses commerçants. On voit aujourd'hui des familles entières ressortir et venir voir les commerçants, aller faire ce soir. J'ai fait un petit tour d'horizon par téléphone. La majorité des restaurants sont pleins ce soir.
Alors évidemment, c'est le soir d'ouverture, mais je crois que si le temps se maintient en plus, je crois que les gens vont vouloir se faire plaisir après cette période compliquée. Et donc, je pense qu'il faut être raisonnable entre l'économie et le plaisir. Lors de ce confinement, on s'est rendu compte effectivement que les commerces de proximité avaient leur importance et que finalement c'était un élément essentiel de notre quotidien et que les grandes surfaces à l'extérieur des métropoles, ça ne faisait pas tout. Est-ce que c'est une chance, peut-être, dans un second temps éventuellement, ce qui a été vécu par les Français durant ces deux mois, qu'ils se rendent compte justement de l'importance et de la valeur que représentent ces commerces de proximité ? J'espère qu'il y aura une prise de conscience de ce lien social qu'est le commerce de proximité. Imaginez des rues dans les centres-villes, dans les centres-bourgs, il n'y a plus un commerçant. On aurait désocialisé la relation. Et je pense qu'il faut que cette relation continue. Par contre, il faut que les commerçants fassent des efforts aussi sur la façon de présenter leurs produits, la façon d'attirer le chaland. Les associations de commerçants ont un grand rôle à jouer là-dessus. Nous avons une réunion lundi prochain pour permettre de définir un plan commerce que nous proposerons aux collectivités, de façon à ce que demain, on ait les mêmes réflexes d'aller sur le net pour voir ce que propose comme produit et à quel prix le commerçant du coin, et de la même façon qu'on le fait aujourd'hui sur les grandes plateformes de vente par correspondance. Et ça, c'est l'outil du net, notamment, nécessite que les commerçants de proximité soient aussi bien armés que les grandes plateformes de vente par Internet, de façon à ce que quand on va chez le commerçant, on sait ce qu'on va y acheter et dans quelles conditions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience, on va pas dire philosophique ou politique, mais en tout cas citoyenne, de justement ce que représente le commerce de proximité pour celles et ceux qui y vont régulièrement, en disant, mais oui, par rapport à tout ce que j'ai traversé, je me rends compte vraiment aujourd'hui que j'ai traversé des moments difficiles sans eux, que la vie était triste sans eux, que la ville était triste sans eux. Il faut les aider. Peut-être que les consciences sont prêtes. Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que j'ai eu des témoignages de gens qui étaient vraiment contents de rencontrer, de retrouver leurs commerçantes et leurs commerçants. Il y a le côté rencontre personne physique, c'est pas une plateforme et un écran. Ce sont des gens avec qui on discute, à qui quelquefois on raconte ces petites histoires, ces petits malheurs, ce que l'on recherche, ce que l'on ne trouve pas. Et donc, il faudra que les commerçants se dynamisent, se modernisent et soient capables de répondre à l'attente beaucoup plus rapidement que par le passé peut-être, et puis aussi inventer des nouvelles formes de commerce en se regroupant, on l'a déjà dit, par rue, par spécialité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, mais j'ai rencontré des commerçants qui disent banco, quoi. Ils sont prêts à se remettre en cause et à se moderniser, si je puis dire. La reprise, alors l'aéroport, ça commence à reprendre également avec quelques vols depuis Bordeaux-Mérignac, ouverture prochaine également, notamment par exemple des campings. Là aussi, la chambre de commerce va y aider. Un petit mot sur les soldes, le 15 juillet, ça vous va? Nous, on avait proposé au niveau national le début septembre, mais le 15 juillet, ça nous va parce que il fallait éviter tout ce qui est en train de se faire de certaines grandes marques qui étaient déjà dans les soldes privés, dans les rabais énormes qui font qu'à un moment donné, on déstocke, mais on ne gagne pas d'argent. Et les commerçants ont besoin, il faut être clair, il faut être transparent, les commerçants ont besoin de gagner de l'argent aujourd'hui, comme toute entreprise d'ailleurs, parce que sinon, faire des pertes, cumuler des pertes, ça ne dure pas longtemps. Donc le 15 juillet, moi, ça me va très bien. En tout cas, le monde économique est satisfait de cette décision parce que c'était surtout, il fallait une décision, il fallait un report, il fallait une date. C'est le 15 juillet, pour moi, c'est une bonne décision. Dernière question, Patrick Seguin. Les terrasses viennent de rouvrir, les commerces ont rouvert depuis une quinzaine de jours. On craignait qu'il y ait beaucoup de casses. Quand est-ce qu'on y verra un petit peu plus clair, justement, fin juin ?
Non, fin juin, c'est trop tôt. On a fait un point avec le président du tribunal de commerce l'autre jour. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit sur vos antennes récemment, il n'y a pas beaucoup d'augmentation du nombre d'entreprises qui sont en difficulté. Par contre, celles qui étaient en difficulté avant sont bien évidemment encore plus en difficulté. Je pense que celles-ci, il faut se rendre à l'évidence, elles ne s'en sortiront pas. Mais c'est une minorité. Il n'y a pas beaucoup de cas d'entreprises qui sont actuellement en cessation de paiement. Ce qu'on constate, c'est qu'on pense que avec toutes les aides qui ont été mises en place, aussi bien au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau des collectivités, au niveau de nos propres établissements consulaires, les entreprises d'aujourd'hui vont passer l'été. Je crains pour le mois d'octobre, pour être clair, c'est le mois d'octobre où on aura les premiers retours. Et n'oublions pas que bon nombre d'entreprises, 84% des entreprises, ont bénéficié des PGE, le prêt garanti par l'État. Ça peut aller de 20 000 euros à 500 000 euros, suivant l'entreprise, voire plus. C'est un prêt. Un prêt, ça se rembourse. Donc, le jour où il faut rembourser et qu'il n'y a pas eu l'activité en face, ça va être difficile. Donc, je crains qu'on ait quelques sujets délicats à partir d'octobre. Merci beaucoup, Patrick Struquin. Donc, le symbole fort, l'ouverture des terrasses. Mais on a bien compris, ce n'est pas parce que les terrasses sont ouvertes que ça va être l'apéro, avec modération, pour tout le monde et qu'il faut être vigilant pour la suite. Merci beaucoup, Patrick Struquin. Merci à vous. Allez, justement, l'apéro avec modération, on en parle tout de suite puisque Sandrine Mancipose est encore et toujours du côté de la terrasse du Café Français, place Péperlan à Bordeaux, avec, j'imagine, un patron heureux, Thierry Constantin du Café Français. Après 2 mois de confinement, 2 mois sans chiffre d'affaires, enfin, il peut reprendre son travail. Effectivement, il faisait partie des restaurateurs heureux de pouvoir rouvrir aujourd'hui. Thierry Constantin, vous avez rouvert avec des conditions particulières. On l'a vu, les serveurs portent un masque, les tables sont davantage espacées. Vous vous êtes préparé, bien sûr, avant aujourd'hui. Cette première journée, concrètement, comment est-ce qu'elle s'est déroulée ? Tout à fait. Aujourd'hui, après 2 mois et demi de fermeture, nous étions un peu anxieux pour la réouverture. Ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, c'est pas la foule non plus, mais je pense que c'est une ouverture sur l'ensemble des terrasses progressive. Ça nous a permis de nous adapter aux gestes barrières, aux façons d'accueillir les personnes, de respecter les distances. Les gens sont là, sont heureux de revenir sur nos terrasses. C'est pas encore la grande foule, mais il y a déjà du monde et on est plutôt pas mal. La météo nous a aidés. Après, à suivre. On a parlé des gestes barrières. Vos serveurs portent tous le masque. C'est le cas dans tous les restaurants. Est-ce que c'est compliqué d'assurer un service comme ça avec un masque? On n'est quand même pas encore très habitué à le porter. Oui, tout à fait. C'est compliqué, surtout pour eux. C'est compliqué pour parler. C'est la chaleur. C'est pas très agréable, même pour le client. Mais bon, du coup, il faut respecter, on le fait. C'est la même chose en cuisine. Tous les cuisiniers ont des masques, donc la chaleur est là, c'est plutôt compliqué, mais bon, ça passe par là. Le lavage des mains, les masques, les distances, les toilettes avec un sens de circulation, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais bon, c'est le premier jour. Les clients ont été plutôt disciplinés aujourd'hui ? Oui, tout à fait, oui, plutôt compréhensible, les gens jouent le jeu. Pour le moment, ça va. Dans quel état d'esprit vous trouvez aujourd'hui ? On comprend que vous êtes heureux de rouvrir. Est-ce que vous appréhendez les jours prochains ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle ? Alors, ça va se passer en deux temps, mais là, pour aujourd'hui, on a fait le pari, nous, personnellement, sur nos terrasses, de jouer l'ouverture 100%, c'est-à-dire tous nos employés, on a ouvert en grand, tout le monde est là. Tous vos salariés sont présents et c'est tous nos salariés sont présents. Maintenant, il va y avoir l'anxiété de savoir comment les gens vont adhérer, etc. Si le temps nous aide, ça va redémarrer, je pense. Mais bon, c'est un peu d'incertitude. Beaucoup d'incertitudes. Merci en tous les cas de nous avoir accueillis pour pouvoir vivre cette première journée de réouverture avec vous. Bastien, on va aller faire un petit tour en terrasse justement pour voir comment les clients se comportent sur les terrasses. Comment est-ce qu'ils appréhendent les gestes barrières? Est-ce qu'ils sont heureux de retrouver les terrasses? Je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus tard. Alors,
On se retrouve tout à l'heure. Sandrine, et commandez-moi, s'il vous plaît, une petite menthe à l'eau. Il commence à faire vraiment très chaud. Nous, pendant ce temps, nous allons faire le tour pour voir ce qui se passe dans d'autres départements que la Gironde, avec bien évidemment l'événement du jour, donc la réouverture de ces terrasses. Tenez, regardez, par exemple, l'ambiance était ce midi du côté d'Angoulême, avec les images de Sud-Ouest. Regardez. On l'attendait depuis un moment, hein, donc là, jusqu'à présent on essayait de déjeuner comme on pouvait avec des remportés, et donc jusqu'à présent on profite de la terrasse et on se pose et on est content. Non, vraiment, dès ce matin, voilà, c'était obligé qu'on vienne sur une terrasse pour la reprise. Voilà. C'est bien de redécouvrir ce plaisir parce que finalement c'était banal pour nous et finalement aujourd'hui ça... On se rend compte que c'est super de pouvoir être dehors et d'être en liberté. Voilà, visiblement, un certain fanfan a eu son permis, l'alcool, vous savez, bien sûr. C'est avec modération. Vous avez entendu des clients heureux. Eh bien, du côté de Villeneuve-sur-Lot, il y a aussi les patrons de bars qui sont également ravis. On a un bon sentiment, là. Ça, les clients sont contents de nous revoir et de revenir boire un café en terrasse. On a retrouvé tous nos habitués, pratiquement sans crainte, ils viennent là, ils sont contents de nous revoir, ils sont heureux, il fait beau, ça leur manquait beaucoup, je pense, ces moments de convivialité, et je pense qu'ils seront présents dans les jours à venir, et l'avenir semble quand même rassurant, quoi. Voilà, des clients bordelais installés en terrasse du Café Français où nous sommes avec Sandrine Mancipose depuis le début de cette émission. Ce sera dans un instant, mais avant, nous poursuivons notre tour de Nouvelle-Aquitaine avec un arrêt du côté du Pays Basque et Pierre Sabatier qui fait le point sur la semaine. Avec la réouverture des bars et des restaurants, c'est un peu la vie classique rochelaise qui reprend ses droits aujourd'hui. Pas de rush à proprement parler. Ce midi, sur les terrasses du Vieux-Port ou autour du marché, des affluences confortables qui ont rendu le sourire aux restaurateurs et à leurs habitués. En tout cas, c'est vraiment le symbole d'une vie quotidienne classique qui reprend ses droits à la Rochelle. Les politiques aussi reprennent leurs habitudes, puisque la Rochelle est abonnée au scrutin, on dira, indécis, hein, depuis longtemps, au moins depuis 2012. Et bien, alors que l'on s'attendait à un duel entre Falornier et Fountaine, ce sera une triangulaire avec un coup de théâtre. Coup de théâtre, c'est lundi, quand le collectif écologiste qui porte la candidature de Jean-Marc Soubeste a voté pour le maintien d'une liste autonome et n'a pas voté en faveur d'une fusion qui était pourtant fortement pressentie avec la liste de Jean-François Fountaine. Désormais, le scrutin s'annonce extrêmement ouvert, indécis, d'autant plus indécis que la campagne est incertaine, pas de réunion publique, des possibilités de tractage très limitées. Les candidats vont devoir défendre leurs axes de campagne via peut-être du porte-à-porte, ils n'en sont même pas encore complètement sûrs. Jean-Marc Soubeste défend une triple urgence, une urgence écologique, sociale et démocratique. Jean-François Fountaine, lui, va continuer de s'appuyer sur son bilan, un bilan fortement teinté d'écologie, puisqu'il était associé à Jean-Marc Soubeste et ses amis durant la mandature. Il ne renie pas ce bilan, il met en avant qu'il est, selon lui, le seul candidat en passe de diriger la ville, soucieux d'écologie. Il vante une écologie qui tient compte de l'économie. Il refuse une écologie dogmatique et prône une écologie vue davantage sur la sobriété énergétique. Quant à Olivier Falorni, il boit du petit lait du fait de cette situation, de cette désunion finale, inattendue de ses deux adversaires. Il moque les atermoiements de Jean-François Fountaine vis-à-vis de La République En Marche, puisque Fountaine semble refuser le soutien de La République En Marche tout en accueillant sur sa liste 12 marcheurs. Mais pour Olivier Falorni, il va devoir convaincre que son programme électoral présenté au Rochelais lors du premier tour reste d'actualité après la crise économique post-Covid. Il a déjà annoncé que l'expérimentation des bus gratuits serait différée d'au moins une année. Or, c'était sa proposition de campagne la plus forte. Bref, la vie a repris à La Rochelle et sa politique aussi, avec toutes ses incertitudes, tout rentre dans l'ordre.
Voilà, la politique, on en reparlera également cette fois sur Bordeaux avec Jean Petaut de Sciences Po Bordeaux et la fusion également pour le second tour des deux listes de Nicolas Florian et de Thomas Cazenave. Et pour terminer sur La Rochelle, sachez que logiquement, nous devrions, TV7 et Sud-Ouest, organiser un débat ici même avec les candidats donc pour le second tour à La Rochelle. Vous l'avez compris, nous n'étions pas au Pays Basque, rassurez-vous, nous y allons maintenant. Et cette fois, c'est sûr, c'est Pierre Sabatier qui nous y attend pour faire le point donc sur cette semaine au Pays Basque. Comme vous le voyez à Bayonne, les gens ont repris leurs habitudes ce mardi sur les bords de Nive. Les terrasses ne sont pas bondées, mais les clients ont pris du plaisir à se retrouver pour le café le matin et partager les premiers menus à table à midi. Le long du littoral aussi, le sourire accompagnait le retour au comptoir, malgré le temps couvert. Les plages, qui n'étaient déjà plus vraiment en mode dynamique ces derniers jours, sont maintenant ouvertes pour accueillir les serviettes en version statique. Cafetiers et restaurateurs rouvrent progressivement et la semaine va servir d'échauffement avant le week-end de la fête des mères. Ce début de semaine est aussi propice au rassemblement politique. Ces dernières heures ont été denses pour les candidats au deuxième tour des élections municipales. À Biarritz, au matin de la clôture des listes, le maire sortant Michel Venac a annoncé qu'il se retirait de la course et qu'il ne donnait aucune consigne de vote. Il y aura à coup sûr un nouveau maire dans la cité impériale à la fin du mois et les prétendants sont encore nombreux. À Bayonne, Henri Etcheto a réussi à faire l'union de la gauche, mais sans l'appui des Abersalais. Ces derniers n'auront pas de représentant officiel à ce scrutin, après l'abandon forcé de la liste conduite par Jean-Claude Iriard. Ces voix se partageront entre le maire sortant centriste Jean-René Etchegaray, arrivé en tête au premier tour, et son challenger socialiste pour un duel inédit. Au total, 18 communes sont concernées par le deuxième tour au Pays Basque, avec une bonne partie de triangulaire, voire de quadrangulaire. Et en attendant de retrouver les isoloirs, les habitants et les premiers touristes pourront profiter de l'ouverture de nombreux sites ce week-end au Pays Basque, notamment le train de la Rune qui redémarre samedi. Les prévisions météo ne sont pas très optimistes, mais au Pays Basque, on sait que ça change vite. Voilà pour la situation au Pays Basque avec Pierre Sabatier. Dans un instant, vous saurez si la fusion à Bordeaux entre la liste de Thomas Cazenave et Nicolas Florian est une surprise ou non, d'après Jean Petaut de Sciences Po Bordeaux. Vous l'entendrez, il estime que la situation du Covid n'est certainement pas pour rien dans cette fusion. Mais avant de parler politique, retour tout de suite, place Péberlan. On nous attend Sandrine Mancipose au Café Français qui a rouvert sa terrasse. J'espère qu'il y a avec vous des clients qui profitent de ce moment tant attendu depuis 2 mois et demi maintenant. C'est long. Oui, vous avez entendu hein, tout à l'heure Thierry Constantin qui l'a dit, il y a du monde, mais la terrasse n'est pas pleine. Mais il y a des jeunes gens qui sont contents d'avoir pu se retrouver et se poser en terrasse. Cette réouverture, vous l'attendiez ? Oui, on attendait depuis très longtemps. Là, avec le confinement, c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir se retrouver en terrasse. Et sans vous mentir, on sait très bien que les Français, surtout les Bordelais, Bordeaux, c'est la ville du vin et on aime se retrouver en terrasse pour, on va dire, picoler un petit peu et s'amuser, on va dire, se retrouver. Mais c'est vrai que ça manquait. Vous avez dit picoler, on va dire picoler avec modération. Avec modération, toujours avec modération. En direct. C'est normal. Vous vous êtes donc retrouvé entre petits groupes d'amis. Ce moment-là, c'est de la joie, de la convivialité. C'est différent que le contact que vous avez pu avoir peut-être pendant le confinement. Oui, c'est sûr. Il fait très beau, donc du coup, ça fait du bien de retrouver ses amis sur terrasse en plus. C'est la première d'une longue série ? C'est ça, c'est la première fois et ça fait du bien de se retrouver un peu. Merci à vous, on va vous laisser continuer vos verres et profiter de cette soirée. Voilà Bastien, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette journée de réouverture des bars, des cafés et des restaurants à Bordeaux en tout cas. Bien évidemment, l'alcool est à consommer avec modération et je vous rejoins dans un instant Sandrine Mancipose puisque vous m'avez commandé une petite menthe à l'eau et je vous en remercie. Voilà donc pour ce qu'on peut vous dire concernant les terrasses. C'est le symbole de réouverture qui est aussi un peu le retour de la vie d'avant qui arrive en plus avec du beau temps.
Voilà qui est parfait pour cette reprise de semaine. Durant le week-end, cela a été effectivement la surprise avec l'annonce à Bordeaux de la fusion des deux listes, celle de Nicolas Florian et de Thomas Cazenave, donc, qui ne font plus qu'une désormais. D'ailleurs, le dépôt des listes s'est clos à 18h ce soir. Donc, officiellement, il n'y a plus que trois listes en lice à Bordeaux. Comment interpréter cette fusion entre les listes de Thomas Cazenave et de Nicolas Florian ? Question posée à Jean Petaut de Sciences Po Bordeaux. Jean Petaut, bonsoir. Bonsoir. Finalement, après avoir clamé haut et fort qu'il ne ferait pas alliance entre le premier et le second tour et qu'il irait jusqu'au bout, eh bien, Thomas Cazenave a finalement décidé d'un accord avec Nicolas Florian. Est-ce que c'est vraiment une surprise, cet accord entre les deux hommes qui, bon, d'un point de vue politique, hein, sont assez proches l'un de l'autre? On aurait été, et vous m'auriez posé la question le lundi 16 mars, Bastien, alors que nous étions ensemble dans le studio de TV7 pour commenter le premier tour qui s'était tenu la veille, et aussi l'intervention du président de la République qui a été un peu solennelle, où il employait à cette reprise le mot « guerre ». Je vous aurais dit, en circonstances différentes, que oui, c'était une surprise, puisque justement, il allait se dérouler simplement une semaine entre le premier et le deuxième tour, en temps normal, c'est la règle. Et pour le coup, compte tenu de ce que vous venez très bien de rappeler, Bastien, c'est-à-dire les déclarations de premier tour, de la campagne du premier tour, cette alliance aurait été effectivement surprenante. Là, il se trouve que les circonstances sont même pas surprenantes. Elles sont totalement dérogatoires de tout ce qu'on pouvait imaginer et croire. 14 semaines entre un premier et un deuxième tour, ça ne s'est jamais vu. Même pas certain d'ailleurs que ce se soit vu dans d'autres démocraties de niveau comparable à la France. Et puis, ce n'est pas comme si c'était rien passé pendant ces 14 semaines. Nous avons eu le confinement et le déconfinement, autrement dit, des situations qui peuvent justifier d'une certaine façon une remise en cause de ce qui a pu être dit dans un tout autre contexte avant le premier tour. Donc, à la question directe que vous posez, Bastien, je dirais que non, ce n'est pas surprenant compte tenu de tout ce qui se passe. C'est donc un effet Covid. Hein. On se souvient, il y a quelques jours, que vous dénonciez un petit peu la situation. Autrement dit, ce que vous avez évoqué, ces 14 semaines entre le premier et le second tour. Donc cela, c'est effectivement l'illustration de ce que vous nous disiez il y a quelques jours, en disant que ben voilà, ces élections municipales n'ont plus rien à voir, elles sont historiques, et on voit là une conséquence de ce qui s'est passé durant ces 14 semaines. J'ai sous les yeux, Bastien, le communiqué de Renouveau Bordeaux, le communiqué de presse de Thomas Cazenave, et c'est intéressant de dire les défis que nous avons à relever sont trop grands pour que nous manquions le rendez-vous du deuxième tour. La crise que nous traversons appelle à unir les compétences. Autrement dit, l'argument peut être ainsi développé de justifier ce rassemblement. Et dans son communiqué, Thomas Cazenave prend bien soin de dire qu'il avait aussi invité la liste de Pierre Urmic à rejoindre, d'une certaine façon, ce front républicain. Il n'emploie pas l'expression, mais il emploie au moins une notion de gouvernance élargie. Voilà. Jean Petaut, il y a aussi les détails hein, de cette liste. Il y a 13 personnes qui étaient présentes sur la liste Florian qui disparaissent du fait de cette fusion. On peut noter quelques noms. Ariel Piazza, qui s'est longtemps occupé du sport à Bordeaux. Yohann David, qui s'est aussi longtemps occupé des aspects sociaux et emploi à la mairie de Bordeaux. Et Benoît Simian, député, ex-député République En Marche. Donc, ces trois noms-là ne feront pas partie de la liste nouvellement créée, prise de guerre ou dégâts collatéraux ? Plutôt dégâts collatéraux et d'une certaine façon aussi, peut-être du côté de La République En Marche, une seule exigence, l'éviction de Benoît Simian, parce que sa présence aux côtés de Nicolas Florian était un véritable caillou
dans le jardin, lancé dans le jardin de La République En Marche. J'en veux pour preuve le débat qui avait eu lieu le soir des élections du premier tour. Nous étions tous les deux, là encore, Bastien, mais Jefferson Desport avait eu tout le mal du monde à arbitrer un débat. Cathy Fabre, député de la REM de Gironde de la deuxième circonscription, face à Benoît Simion, son collègue, pourtant ex de la REM, député de la cinquième circonscription, celle du Médoc, mais sur la liste de Florian. On peut aussi donc citer pourquoi, par exemple, le départ de Johan David. Ce n'est pas impossible qu'il paye là les amitiés qu'il avait pour Virginie Calmettes, hein, parce que d'une certaine façon, c'est aussi l'occasion, non pas de forcément de régler ses comptes, mais de resserrer les rangs d'une certaine manière. Et puis, on voit bien aussi que c'est plutôt une partie des élus qui ont été élus en 1995 avec Alain Juppé, lors du premier mandat de Juppé, qui s'en vont, même si, selon toute vraisemblance, et sous bénéfice d'inventaire, au moment où on se parle, Bastien, mais quelqu'un comme Stéphane Delot, dont la présence sur la liste de Florian avait, semble-t-il, déjà un peu fait débat avant le premier tour, eh bien Stéphane Delot trouverait sa place en étant dans cette liste fusionnée. Alors le podium serait le suivant, donc numéro 1, Nicolas Florian, numéro 2, Madame Mouzon, qui est cette polytechnicienne qui était sa directrice programmatique, on peut dire. En numéro 3, Thomas Cazenave, qui est aussi par ailleurs, et c'est dans le communiqué de presse de La République En Marche, porte-parole de Bordeaux à la métropole. Il sera donc vice-président, au même titre d'ailleurs, sans doute que Nicolas Florian, dont on dit qu'au passage, il renoncerait à la candidature à la présidence de la métropole. Hein. En 3, Thomas Cazenave. En 4, Alexandra Ciari. Et en 5, Fabien Robert, mais qui resterait, malgré cette cinquième position, premier adjoint au maire, comme il l'est actuellement, alors peut-être avec une redéfinition du périmètre, mais premier adjoint au maire de Bordeaux, aux côtés de Nicolas Florian. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire par rapport aux forces en présence pour le second tour? On va rappeler quand même qu'il y avait moins de 100 voix qui séparaient Nicolas Florian, qui est arrivé en tête à Pierre Urmic, le représentant écologiste, et que Thomas Cazenave était arrivé en troisième position avec à peu près 12,7%. Est-ce que ça veut dire que c'est perdu pour Pierre Urmic? En tous les cas, la dynamique, elle apparaît du côté du tandem Florian Cazenave. On sait que l'électorat Cazenave, au moins aux deux tiers, était un électorat nettement, j'allais dire, Florian compatible, pour ne pas dire d'ailleurs aussi Juppé compatible antérieurement. Ça, on le sait parce que quand on regardait les sondages depuis octobre 2019, on voyait que selon les intentions de vote, la structuration de l'électorat potentiel des uns et des autres, on voyait à quoi ça se rattachait. Et l'électorat Cazenave, on savait depuis longtemps que, pour faire simple, il était deux tiers Florian, plutôt un tiers Feltès ou Urmic. Ce qui est possible et sans doute probable, c'est que ces deux tiers de l'électorat Cazenave retrouveront assez facilement le chemin ouvert par le binôme Florian Cazenave, et puis un autre tiers se partagera sans doute entre abstentionnistes et électeurs de Vert-Pierre Urmic. Mais si sur les 12,7% des suffrages exprimés, avec une participation dont il faut rappeler qu'elle a été très médiocre, un peu plus de 36% de participation, c'est très mauvais. Si 8% des 12% de l'électorat Cazenave au premier tour va à la liste Florian Cazenave, d'une certaine façon, ce n'est pas rattrapable pour Pierre Urmic, d'autant qu'il est bloqué sur sa gauche par la présence d'un Philippe Poutou qui ne va pas ménager ses cartouches contre la liste Urmic. Encore un dernier mot, Jean, vous l'avez évoqué, un paramètre essentiel, c'est celui donc de la participation. Est-ce que éventuellement cette fusion Cazenave-Florian peut décider certains indécis d'aller aux urnes pour Pierre Urmic? Est-ce que dans ces cas-là, ça peut être un petit plus pour Pierre Urmic, c'est-à-dire la possibilité qu'il aurait de mobiliser davantage les abstentionnistes sur son nom? Oui, ça peut effectivement jouer. Il peut aussi y avoir une réaction éventuellement négative à ce qui peut apparaître comme un accord, on va dire,
de circonstances, hein, après ce qui a pu s'être, avoir été dit au premier tour. Bon, cela dit, nous passons d'une quadrangulaire à une triangulaire. Moi, j'avais tendance à penser que déjà dans une configuration de quadrangulaire, malgré les 96 voix d'écart, c'est-à-dire très très peu, Nicolas Florian gardait ses chances, justement du fait du réservoir des abstentionnistes. Et on savait très bien que ça avait plutôt voté en faveur de Pierre Urmic, avec une assez bonne mobilisation pour la liste de gauche, plus la bonne mobilisation pour l'extrême gauche, et que les abstentionnistes se comptaient plutôt dans les rangs de l'électorat potentiel Florian et Cazenave. Donc, en fait, il faut mobiliser de ce côté-là. Et j'aurais plutôt tendance à penser que Pierre Urmic aura du mal à rattraper le différentiel que crée le tandem Florian-Cazenave désormais. Merci beaucoup, Jean Petaut, pour cette expertise concernant donc la nouvelle politique de ce week-end. Donc, c'est donc la fusion entre les listes de Nicolas Florian et de Thomas Cazenave, donc pour le second tour des municipales à Bordeaux, sachant qu'en plus, la campagne va être tout à fait particulière en raison des problèmes sanitaires. Ça fait vraiment, vraiment de ces élections municipales, des élections absolument historiques que nous aurons l'occasion de commenter ensemble, Jean, bien évidemment, avec des débats qui sont prévus et puis des rencontres avec les candidats. Merci beaucoup, Jean. Au revoir, Bastien. Voilà, passons justement maintenant aux réactions des deux autres candidats toujours en lice pour ces élections municipales à Bordeaux, à commencer par la réaction de Pierre Urmic dans un communiqué de presse. Je cite « Les perspectives de poste l'ont emporté sur les annonces de la veille d'un Thomas Cazenave précisant, je cite, « ne partager ni des convictions ni des valeurs avec Nicolas Florian, qualifié de pantouflard et de menteur et jugeant son bilan mauvais, les accords politiques du Vieux Monde sont des caricatures qui traduisent la fébrilité de l'équipe sortante et de l'opportunisme de ceux qui ont échoué à convaincre les Bordelaises et les Bordelais au premier tour. » Donc voilà pour le communiqué de Pierre Urmic. Et puis concernant l'autre candidat, Philippe Poutou, dans un entretien à Sud-Ouest, il estime que la droite se retrouve, c'est logique et c'est bien comme ça, même si les manœuvres et les tractations politiciennes sont toujours aussi grossière. Fin de citation. Il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'il y a des fusions lors de la préparation de ce second tour des municipales. Fusion également à signaler du côté de Pessac entre les listes Réinventons Pessac Ensemble et L'écologie pour Pessac. Sébastien Saint-Pasteur et donc Laure Curval ont déposé une liste commune aujourd'hui à la préfecture. Il y a également fusion des gauches du côté de Villeneuve-d'Ornon et en revanche fusion des listes de droite, de deux listes de droite et du centre du côté de Lateste. Voilà pour le volet politique. Dans un instant, vous aurez les prévisions météo complètes avec cette précision. Depuis le 1er juillet, c'est l'activation du dispositif de surveillance saisonnière de Gironde concernant canicule et forte chaleur. Et c'est la veille saisonnière, donc le niveau 1 de cette vigilance qui a 4 niveaux, qui a été activée donc le 1er juin et jusqu'au 15 septembre. Donc nous sommes en niveau 1 pour l'instant concernant la canicule. Et puis un petit mot des huîtres du bassin d'Arcachon, même s'ils sont meilleurs que lors des précédents, les tests effectués ne sont pas encore au bon niveau, donc la consommation et surtout le fait de récupérer des huîtres sur le bassin d'Arcachon reste interdite, mais les stocks proposés à la vente, bien évidemment, eux sont tout à fait consommable. Cela pourrait changer d'ici la fin de la semaine. Voilà pour l'essentiel de l'info. Dans un instant, mode d'emploi avec Laura Pargade à ne pas manquer, mais tout de suite, les prévisions météo complètes. À demain.